الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن كيف التعامل مع الناس الذين يفعلون السحر، أو الذي عندنا فيهم شك أنهم فعلون السحر. De ce vidéo, إن شاء الله تعالى, je parle comment faire avec des personnes qui sont fait la sorcellerie ou qui sont fait la sorcellerie ou qu'on a un doute de eux, on doute de eux qui sont fait la sorcellerie pour nous. Non. Avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala, et likez cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. J'ai un petit peu enrhumé, Inch'Allah Ta'ala, afouane, désolé, parce que la voix s'est un peu cassée. أولا الدعاء الدعاء عفوا الدعاء حل من فعل السحر وبعض الأحيان ينكشف المستور. La première des choses c'est l'invocation. L'invocation et avec l'invocation on peut plein de choses qui sont cachées on peut les voir avec l'invocation. ويظهر أنه أقرب الناس إليك مثلا. Et parfois, quand on fait l'invocation, on va voir celui qui l'a fait la sorcellerie, un exemple, c'est celui qui est proche de nous, qui est très proche de nous, qu'on le connaît très bien. كذلك الدعاء أمام الشخص الذي تشك فيه مثلا. Aussi, comme l'a dit certains cheikhs, le fait d'invoquer Allah devant celui qui vous doute de lui ou devant celui qui vous a que vous avez ensorcelé, qui vous avez fait la sorcellerie. مثلا تقول بدأت أدعي الله الليل والنهار على من سحرني. Un exemple peut dire j'ai commencé à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala le jour et la nuit contre celui qu'il m'a ensorcelé. ولكن et avec cette manière de le fait de invoquer contre ce qu'il a fait celui contre celui qui a fait la sorcellerie, il y a plein qui commencent à invoquer devant eux et commencent à sortir la sorcellerie ou ils sont quelque chose va arriver dans sa vie, il va dire oui, c'est l'invocation de l'autre qu'elle a invoqué contre moi. ولكن الاتهامات من غير أدلة فهذا حرام. والمسلم لا يتهم أخاه المسلم إذا لم تكن عنده أدلة. Mais le fait de accuser des gens sans aucune preuve ou sans le moins de preuve, parce que le musulman il va pas accuser son frère musulman sans preuve, sans rien, parce que l'homme il peut pas voir ou il peut pas savoir qui est son ennemi, il ne peut pas savoir qui est son ennemi. Qui est son ennemi, le vrai son ennemi. Parce que tu ne le connais pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala قال, Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum wa kafa billahi nasira. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, Allah connaît mieux vos ennemis. Ça veut dire quoi? Allah qui connaît. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف عدوكم الحقيقي. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît un exemple, il connaît qui est votre ennemi. Votre vrai ennemi. Parce qu'il y a plein qui prend certaines personnes en ennemi sans qu'il lui ait vraiment son ennemi. Il ne connaît pas vraiment son ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala dit sauf Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît vos ennemis. Naam. ولو فعلت الأسباب فلن تجده فالله هو الذي يعرفه. Même tu fais des causes pour connaître qui est ton ennemi, sauf Allah qui va le dévoiler, parce que sauf Allah qui sait qui est votre ennemi. Naam. لذلك الإنسان لازم يستعين بالدعاء. C'est pour cela que l'homme faut qu'il base sa l'invocation.
Serre-toi un exemple, si vous doutez sur une personne, et cette personne-là qui est devant vous, vous doutez d'elle, faut essayer de invoquer, dire un exemple, moi j'ai pris un programme, je commence à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala contre celui qu'on m'a ensorcelé. Contre celui qui m'a ensorcelé, je commence à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala contre celui qui m'a ensorcelé. Contre celui qui m'a ensorcelé, contre celui qui m'a fait la sorcellerie. Et parfois, quand on fait cette manière, la personne, soit il va détruire la sorcellerie, soit il va essayer de trouver la solution. Avec certains cheikhs, comme Cheikh Khalid al-Habashi, comme Cheikh Khalid al-Habashi, ils ont parlé de ce sujet-là, ils ont mis des points qui sont importants dedans. Lidalik, l'insan, لازم أنه يستعين بالله ويصبر ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يحل عليه السر. C'est pour cela que l'homme devait invoquer Allah سبحانه وتعالى qu'il le sorte de cette situation-là, qu'il le guérisse et tout ça. Et comme j'ai dit, il ne faut pas se douter des gens qui ils sont à rien à voir. Parfois, on prend des personnes en ennemi, mais eux sont rien à voir de ce domaine-là. Inch'Allah ta'ala, n'oubliez pas, Inch'Allah ta'ala, de abonner sur notre chaîne et partager cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. Je vous dis à la prochaine vidéo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين